Envie de personnaliser un objet de votre quotidien? Aujourd'hui, on vous explique pourquoi utiliser une tasse sublimable au lieu d'une tasse achetée en grande surface. Bonjour, c'est Julie. On vous explique pourquoi cette différence entre deux tasses qui se ressemblent autant. Voici la tasse que vous pouvez retrouver sur notre site, on l'appellera A. Et en voici une autre que nous avons achetée en grande surface, que nous appellerons B. On a sublimé les deux. Vous allez voir le résultat, mais avant, place au test. C'est bon, on a sublimé les deux tasses et voici le résultat. Voici le résultat de la tasse A que nous vendons sur notre site, il est parfait. Voici le résultat de la tasse B. Comme vous le voyez, l'encre n'est pas rentrée dans la matière, même le film est resté collé sur la tasse. Nos objets à sublimer sont à retrouver sur atome3d.com. À très vite pour une prochaine vidéo.